Aujourd'hui, pour commencer, je vais donner un tout petit avertissement. Alors, je m'adresse à tous ceux qui, en lisant uniquement le thème de cette vidéo, vont immédiatement et systématiquement dire ces quatre mots d'ordre appris par cœur pour interdire et dénier aux Antillais le droit de parler, de connaître et d'interroger leur histoire. Premièrement, n'oubliez pas que les nègres ont vendu les nègres. Deuxièmement, arrêtez votre victimisation. Troisièmement, arrêtez de vivre dans le passé, allez de l'avant. Et quatrièmement, vous faites du racisme anti-blanc et vous propagez la haine. Sachez, messieurs, dames, que comme tous les peuples, notre histoire est un fait, une réalité qui s'est produite. Quoi qu'on en pense, on n'y pourra jamais rien changer. Même le fait de l'ignorer ou de ne pas vouloir d'elle ne suffisent pas pour que cette histoire disparaisse. Les nègres ont vendu des nègres, cela a pu arriver car, loin d'être supérieurs ou inférieurs à qui que ce soit, certains Africains ont très bien pu profiter de ce qu'ils estimaient être des avantages pour eux en leur temps. Il y a des gens bien et des gens moins bien partout. Ici, chez nous, en Afrique, en Europe, en Amérique, il y a des gens bien et des gens qui le sont un peu moins. Et s'il y eut sur ce point quelque chose qui nous concerne, croyez bien que nous en parlons et que nous en parlerons avec nos cousins africains, avec autant de respect et d'amour qu'il faut pour que ce dialogue aboutisse à la paix et non à la haine. Je veux occuper mon temps à aimer mes semblables, pas à vous haïr. Cela ne sert donc à rien de venir m'accuser de la haine que vous portez en vous ou de racisme envers vous pour l'unique raison que j'évoque mon histoire. Ce faisant, vous inversez les valeurs et vous jouez les victimes de racisme tout en nous accusant de l'être. Si vous faites partie de ceux qui pensent cela, vous ne pourrez en aucun cas vous sentir bien parmi nous, justement, qui sommes réunis pour en parler. Nous vous remercions donc de nous avoir accompagnés jusque-là dans cette vidéo et nous vous disons au revoir parce que nous sommes fatigués de débattre sur ces trois cartes jouées systématiquement depuis la loi Taubira déclarant l'esclavage crime contre l'humanité. Par contre, bienvenue à vous qui, quelle que soit la couleur de votre peau, avez envie de passer avec nous ce moment où il sera question d'histoire, de partage, d'échange et surtout de recherche de solutions pour vivre ensemble. Donc, merci de votre compréhension et de votre tolérance que nous apprécions quand elle se manifeste. N'oubliez pas qu'on est ici pour vivre bien. Alors, le bruit qu'il y a dans mon ambiance aujourd'hui va probablement nous empêcher d'être aussi bien que nous aurions pu l'être, mais je suis obligée de faire avec, malheureusement. Il est suffisant pour que on puisse essayer de travailler quand même. Alors, on va commencer par les événements du 22 mai 2020. Le 22 mai 1840, 1800, 2020, le 22 mai 2020, des Martiniquais, jeunes pour la plupart, ont écrit avec fracas une page stupéfiante dans l'histoire qui nous oblige à nous demander comment on est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, que faire avec ça et surtout, selon moi, comment faire pour s'en sortir au mieux. En réalité, en touchant aux idoles de Victor Schœlcher, monstre sacré de la société coloniale, ce que ces jeunes filles et jeunes garçons ont fait, c'est faire sauter une chape de plomb sur notre histoire, une très lourde chape de plomb qui en appelle d'autres. La chape de plomb, elle est sur le pays où tout le monde voit, sent et vit que cela ne va pas. Et surtout que tout va de plus en plus mal. Nous avons l'air d'accepter, nous vivons comme en léthargie, ce que le pouvoir, la cupidité, le profit et l'argent nous infligent. Il y a une chape de plomb sur l'histoire, ici comme ailleurs, écrite par les vainqueurs. Elle ne met en évidence que ses propres héros
qui ont exécuté à la perfection et maintenu l'ordre colonial sans aucune considération des intérêts de ceux qu'ils ont dû pour se faire mater. Cette histoire si longtemps cachée que l'on découvre à peine, on nous reproche aujourd'hui de nous y intéresser. Eh bien, nous y voilà dans l'histoire, devant ces statues de pierre qui gisent face contre terre, notamment devant le palais d'injustice, plutôt que de justice, dans l'obligation de répondre à nos sempiternelles questions sur Shelcher et sur l'abolition de l'esclavage, termes que nous préférons utiliser plutôt que ceux de révolution anti-esclavagiste, où l'on voit que ce qui vient d'ailleurs et nous est donné prime jusque dans les mots sur ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient de nous. Normalement, on devrait parler de la révolution anti-esclavagiste de 1848, mais nous parlons de l'abolition de l'esclavage de 1848. Cette chape de plomb est sur le pays, cette chape de plomb est sur notre histoire, et cette chape de plomb est aussi sur cette période de la fin de l'esclavage et les débuts extraordinairement difficiles pour les victimes des décrets du 27 avril 1848. Des débuts si incroyablement pénibles que l'on peut se demander le plus sérieusement du monde si cette abolition, telle qu'elle a été conçue et appliquée dans nos pays, n'est pas véritablement elle-même un crime contre l'humanité. Nous en avons déjà parlé, mais nous y reviendrons, car il y a énormément de choses à dire sur cette question, sur cette période-là de notre histoire. Alors, avons-nous un avenir possible en tant que peuple si nous n'écoutons pas nos enfants quand ils nous parlent? Notre mission essentielle à nous, adultes, est d'éduquer, de nourrir, d'accompagner avec soin et de guider nos enfants, n'est-ce pas, mes amis? Autant nos ancêtres ont besoin de nous pour voir leur héritage sortir des fouilles et mis à jour, nos enfants, qui sont le fruit de notre éducation, de notre dur labeur, ont plus que jamais aujourd'hui besoin de nous avoir à leur côté. Ces jeunes filles et jeunes gens qui ont commis le sacrilège de toucher aux idoles de Victor Shelcher ne viennent pas de nulle part. Ce ne sont pas des malfaiteurs, des casseurs, des vagabonds, comme on dit sans se rendre compte que l'on crache à chaque fois sur la mémoire de ces héros méconnus de notre histoire. Les vagabonds et les vagabonnes qui ont été les premières victimes du crime contre l'humanité que nous dénonçons avec force aujourd'hui. Non, ces jeunes brillants pour la plupart ont été nourris par les combats, les luttes, le travail de personnes infatigables, de militants dévoués comme Armand Nicolas, Marie-Hélène Léotin, Guy Cabormasson, Alex Ferdinand, par exemple, pour ne citer que ceux-là, qui ont nourri leurs parents, les poussant à s'engager dans la reconnaissance et le combat pour la dignité martiniquaise. C'est depuis dans le ventre de leur maman que ces jeunes de 2020 ont marché pour la réparation aux côtés de Garcin, Malsa et Dumire. De plus, n'oublions pas qu'ils ont vécu de très près trois grands événements qui furent ô combien importants dans notre pays. Ce sont l'extraordinaire communion populaire quand Césaire nous a quittés, l'extraordinaire mobilisation de février 2009 et avec les résultats que l'on connaît, et plus récemment, la dure lutte pour la prise en compte du scandale du chlordécone et toutes ses conséquences. Aujourd'hui, cette jeunesse qui en arrive là et qui voit ça, se voit dans une impasse. Son partage en continu avec les jeunes du monde et leur volonté mutuelle de refuser l'impasse de la mondialisation est à s'engager pour un monde plus juste. Oui, tout cela aboutit naturellement à des manifestations comme celle à laquelle nous avons assisté en ce 22 mai 2020. Et je pense qu'en ce moment crucial, les gens de ma génération, qui sont les parents, les grands-parents de ces jeunes-là, doivent être à la hauteur de notre mission d'accompagnement de nos jeunes.
Je pense qu'ils ont fait ce que nous n'avons pas su, pu ou voulu faire. Ceux de ma génération qui ont été abreuvés par le Black Power, le Black and Proud, les Black Panthers, les Frères de Soledad, Angela Davis, Steve Biko ou encore Aimé Césaire. C'est pourquoi, en tant que femme, mère, grand-mère martiniquaise, je me suis rangée à leur côté dans une vidéo postée sur les réseaux où je revendique leur acte, leur courage, leur folie même, puisque c'est cela qu'on veut nous faire tous devenir, oui, des fous, aptes à condamner manu militari nos enfants révoltés, tout en acceptant que les empoisonneurs du peuple et du pays tout entier puissent continuer d'empoisonner tranquillement, sans conséquence pour eux. Cette vidéo me coûte très cher. Sans entrer dans les détails, j'ai appris hier qu'un projet sur lequel j'ai travaillé avec la passion que vous me connaissez ne se fera pas à cause d'elle. Comment dire? Bien que touchée par le capotage d'un si beau projet, j'assume pleinement ma position et quoi qu'il m'en coûte, je me tiendrai toujours aux côtés de mes gens, de nos enfants, car j'ai toujours eu la volonté de défendre les victimes plutôt que les bourreaux et ceux qui les soutirent. Adieu donc à ce projet. Je laisse à l'univers et aux ancêtres le soin de m'orienter vers d'autres beaux projets. Ça va, vous êtes là? On va continuer en parlant de ce fameux Victor Schœlcher qui est véritablement pour nous un inconnu. Alors, Victor Schœlcher, il a toujours fait partie du paysage, de tous nos paysages, avec nombre de lieux, de monuments, de rues qui portent ce nom, Victor Schœlcher. Pour beaucoup de gens, Victor Schœlcher est l'homme qui a signé le décret d'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. On lui attribue ce décret, qui n'est que le premier de la série signé ce jour-là. Ce fameux premier décret, c'est le seul que l'histoire va retenir, enfin va vouloir que nous retenions, donc qui dans son article 5 prévoit et garantit avant toute autre chose la réparation financière pour tous les propriétaires d'esclaves privés de leurs biens, rachetés à l'occasion par l'État français, lequel ne se privera certes pas de se rembourser de toutes les manières possibles en exploitant ces malheureux, sans pitié pour leur vécu et la situation de dénuement total dans laquelle l'abolition et la pseudo-liberté les trouvaient. Ainsi, selon le mythe abondamment propagé par la schœlcherisation des esprits, pour beaucoup d'Antillo-Guyanais et Réunionnais, c'est Victor Schœlcher qui donne à lui tout seul et par sa seule signature la liberté aux 250 000 nègres et négresses dont les descendants sont méthodiquement instruits dans son culte. Malheureusement, une fois de plus, nous faisons face à une mystification, puisque Victor Schœlcher n'a jamais signé de décret d'abolition. En effet, la signature de Victor Schœlcher ne figure sur aucun des 11 décrets qui ont scellé le sort de ces 250 000 esclavagés recensés en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Sénégal. Pourquoi? Pourquoi et comment est-il devenu dans l'esprit de tout le monde l'instigateur, le rédacteur, voire le signataire du décret d'abolition, le seul à qui l'on doive la liberté qui si chère à nous, comme le dit cette chanson qui a traversé le temps, écrite et composée à la gloire de Schœlcher. Alors, je vais vous la mettre un tout petit bout. Alors, la voilà. Une seconde. La montagne. Alors, donc, en ce temps-là, c'est une chanson. Enfin, je vais vous faire écouter une chanson. Parce que en ce temps-là, durant l'esclavage et après, donc surtout dans la période qui nous intéresse, on chantait beaucoup, malgré la misère. Et en ces temps troublés des premières élections pour les Noirs,
enchantait autant pour Schœlcher que pour Bicêtre, son rival, dont nous pourrions avoir à dire, mais ça c'est une autre histoire, on va y revenir une autre fois. Les chansons sur Bicêtre n'ont pas traversé le temps et ne nous ont pas parvenu. Mais une des chansons sur Schœlcher a, elle, traversé le temps et présente une version en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, où elle est restée dans le patrimoine. Vous connaissez cette chanson si vous êtes martiniquais, vous la connaissez forcément. Je vous fais écouter un tout petit bout. Vous connaissez cette chanson? La montagne verte, et chercher qu'à briller comme une étoile à l'horizon. Et chercher qu'à briller comme une étoile à l'horizon. Grâce à Schœlcher. Si Jodi nous nie l'abolition de l'esclavage. Grâce à Schœlcher. En Martinique, on dit si Jodi nous nie la liberté qui si chère à nous. La liberté qui si chère à nous. Angelina Jolie Bateau. Belle bateau là qui dans la rade là. Remporter la victoire. Vous connaissez cette chanson? Grâce à Schœlcher, fait proclamer l'abolition de l'esclavage. D'accord? Donc, cette chanson, vous venez d'entendre un petit bout de la version enregistrée par Maggie Farreau, chanteuse, conteuse de la Guadeloupe. Les temps changent pour les statues et aussi pour les chansons, puisque la seule version martiniquaise que l'on trouve de cette chanson actuellement, en tout cas sur les réseaux, est celle interprétée sur YouTube par Joko et Daniel René Corail. La mélodie a été détournée cette fois au profit non de Schœlcher, mais des nègres marrons qui ont choisi la liberté et fui l'esclavage au péril de leur vie. Cette chanson n'est pas la seule chanson à la gloire de Schœlcher. Il y en avait beaucoup, m'a appris Armand Nicolas. Car dans notre pays, on a toujours beaucoup chanté sur tous les sujets et tous les événements de la vie. À la fin de l'esclavage, je le raconte dans le roman Sacré Vacabond, il y eut une fameuse réunion à l'habitation Les Ritz où les esclavagistes se réunirent avec leurs géreurs pour faire face à un problème inattendu. Au lieu de répliquer, de s'énerver, de se mettre en colère, les esclaves chantent. Ils répondent aux géreurs en chantant. Comment fouetter quelqu'un qui chante? Que faire quand on constate qu'on ne peut pas l'empêcher de chanter? C'est un exemple pour dire comment la musique, et puis chanter, la chanson, ont toujours fait partie de la vie des gens d'ici. On chantait donc Schœlcher et on chantait donc pour Schœlcher. Schœlcher justement, celui que nos enfants ont déboulonné, qui était-il et qu'a-t-il fait exactement? Qui peut dire vraiment qui est Victor Schœlcher et pourrait justement nous le décrire avec précision? En fait, il y a beaucoup de livres sur les œuvres et la vie de Schœlcher et je laisse aux historiens le soin de rentrer dans les détails. Ce que je sais, c'est que, un, Schœlcher n'a jamais signé de décret d'abolition. Le schœlchérisme fut si puissant qu'il nous a fait croire qu'il l'avait signé. La vérité est qu'il a présidé la commission d'abolition. Wikipédia rétablit la vérité sur son véritable rôle dans cette abolition que nous dénonçons aujourd'hui. Alors, Wikipédia dit, il est connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France via le décret d'abolition signé par le gouvernement provisoire de la Deuxième République le 27 avril 1848. Pourquoi Schœlcher n'a pas signé lui-même le décret? Probablement parce qu'il n'est pas membre du gouvernement provisoire, seul habilité à le faire au nom de la République. Schœlcher n'est pas un élu, Schœlcher n'est pas un membre de ce gouvernement provisoire. Il a été appelé pour constituer cette commission, il a présidé cette commission, mais il n'avait pas plus d'autorité que ça pour pouvoir décréter à lui tout seul l'abolition. Et ce qu'on peut dire quand on découvre un petit peu qui est Schœlcher, c'est que c'était un homme qui semblait plein de contradictions.
Alors, il y a une chercheuse historienne qui s'appelle Anne Girolet qui a écrit un grand article qui s'appelle L'abolitionnisme de Victor Schœlcher, un humanisme matiné de colonialisme et de. Cet article a été publié dans les cahiers de l'histoire en 1999. Par ce titre un peu provocateur, et c'est comme ça présente son travail, loin de nous l'idée de faire de l'anti-schelchérisme. Même en France, il y a des milieux où on ne touche pas à Schœlcher. Schœlcher est sacro-saint. Notre propos n'est pas de diminuer l'œuvre considérable de Victor Schœlcher, mais de lutter contre les préjugés unanimes qui ont fait de cet homme un mythe. En étudiant les conséquences juridiques et politiques de ses propositions et de ses combats, nous avons pu mettre en exergue non seulement l'étendue et la complexité de son œuvre républicaine, qui était jusqu'à présent mal connue, alors que Schœlcher doit être considéré comme un véritable fondateur de la République, mais encore ses contradictions. Schœlcher était tellement convaincu des vertus, des valeurs républicaines de la métropole, que son combat, certes humaniste et égalitaire, restait matiné de colonialisme, de paternalisme et de moralisme, ce qui l'amena à prendre des directions assez surprenantes, notamment dans ses prises de position contre l'esclavage et dans l'organisation du statut des colonies. Schœlcher revendiquait l'égalité des droits, cependant, il était assimilationniste sans être universaliste. Voilà, donc j'ai trouvé encore dans l'étude de ce texte une appréciation d'un historien qui s'appelle Bernard Guénot et qui, à propos de cet article, dit quelque chose que j'ai relevé pour vous. Dès lors, la seule voie possible est celle de l'assimilation républicaine, assimilation culturelle par extension des valeurs républicaines. C'est donc, écoutez bien, un processus de déculturation, puisque c'est la métropole qui apporte ses valeurs, au premier rang desquelles l'égalité des races, à la colonie. Mais c'est aussi une assimilation au niveau du statut colonial. Les colonies sont partie intégrante du territoire français. La traduction institutionnelle de l'assimilation juridique est la départementalisation. Les anciens esclaves passent directement du statut de bien meuble à celui de citoyen. Schœlcher refuse toute notion de citoyenneté coloniale. Les citoyens des colonies sont citoyens français à part entière. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens métropolitains. J'ajouterai en théorie, parce que jusqu'à présent, je ne crois pas que l'égalité des droits ait été véritablement acquise. Alors, donc, Victor Schœlcher reste donc une énigme. On ne peut, dans un petit live comme ça sur les réseaux sociaux, prétendre dévoiler tout ce que fut ce personnage très ambigu. Aussi, je ne vais évoquer que ce que moi je sais et ce que moi j'ai appris de Victor Schœlcher à partir d'une question que je me suis posée. Que pensait Victor Schœlcher de cette abolition? Était-elle l'abolition dont il rêvait? Certainement pas. Au moment d'abolir l'esclavage, les conditions qui étaient imposées aux Noirs tenaient en l'esclavage. Il n'a pas pu ne pas s'en rendre compte. Donc, comment a-t-il pu être d'accord avec le fait de proclamer une abolition parfaitement inutile, où les nouveaux libres, avant de pouvoir s'occuper de leur propre survie, étaient obligés de prendre en charge les infirmes et les vieillards des habitations, charge que le deuxième décret du 27 avril 1848, dans ses articles 1 et 2, leur impose sous peine d'amende et de prison. Où était la victoire? Où était l'abolition? Où était la libération? Où était cette abolition?
Cette position, j'en ai parlé avec, par exemple, Armand Nicolas, qui reconnaît la cruauté du sort réservé aux soi-disant libérés. Pourtant, me dit-il, il faut remettre tout ça dans son contexte. Victor Schœlcher a fait pu, me dit-il. On peut en parler avec lui si vous voulez. Un jour, je vais inviter Armand Nicolas à faire un climat foutier ça avec vous et peut-être que vous pourrez lui poser vos questions. Il est toujours prêt à y répondre d'ailleurs. Personnellement, je vous ai dit que ce que je reproche aux signataires de ces décrets et à Victor Schœlcher, dont je ne sais pas jusqu'à quel point il était d'accord ou pas avec ce nouveau crime d'État. Ce que je sais, c'est que 4 ou 5 ans plus tard, quand il prendra connaissance des décrets que le gouverneur Guédon, ce scélérat, va prendre tout de suite après l'esclavage dans les années 50 pour rendre encore la vie plus dure aux Noirs, quand il va prendre conscience du passeport intérieur au niveau du livret, il ne peut s'empêcher de crier son indignation et même il écrit pour dénoncer ce crime, ce nouveau crime, ce nouveau péché contre les nouveaux libres. Il écrit, il en parle à la tribune de l'Assemblée nationale pour demander l'annulation de ces décrets. Évidemment, il n'est pas entendu. Alors, la situation de misère extrême à laquelle ces décrets ont conduit ont fait empirer la situation des gens qu'il prétendait libérer. Force lui est de reconnaître que les Noirs soi-disant libérés étaient réduits à une condition plus difficile que jamais. Sa conscience lui reprocha-t-elle ce fait quand il dénonça publiquement ses exactions de l'État sur le peuple? En tout cas, il le fit, hélas trop tard pour moi, trop tard pour ceux qui ont subi l'influence et les conséquences de ces décrets. C'est pourquoi je pense que Victor Schœlcher n'avait pas cette place immense qu'il a dans notre univers et surtout pas à servir de modèle au peuple, ce peuple qui a survécu à l'esclavage, qui a survécu au 27 avril 1848 et à la liberté, cette fameuse liberté ou fausse liberté à laquelle Victor Schœlcher a dit oui avec les membres de la commission, les membres du gouvernement de cette Deuxième République qui ont signé les décrets d'abolition. Je sais de Victor Schœlcher que c'est dans ses écrits qu'ont survécu Zahir et Théophile, revenus d'entre les morts pour rendre aux Martiniquais leur histoire. Il nous en apprend beaucoup sur les Béquets et sur l'époque dont il fut véritablement la bête noire. Les Béquets vouaient, paraît-il, à Schœlcher une haine féroce et gageons que s'ils pouvaient, si les Béquets d'hier pouvaient voir ces idoles écrasées par terre aujourd'hui, eh bien on pense qu'ils seraient certainement bien contents. Est-ce que tout cela dit qui était Victor Schœlcher? Il reste encore à écouter les historiens, ceux qui savent et qui peuvent éclairer sur toutes les facettes de la personnalité de cet homme mythique qu'une partie de nous ne veut plus adorer. Il reste à chercher vous-même. Il y a énormément de documents dont ces écrits sont en accès libre sur Internet. Pratiquement tous ces livres peuvent être consultés gratuitement sur Internet. Il reste donc à vous faire votre propre opinion. Je vous remercie de m'avoir permis de partager la mienne. Et sur Victor Schœlcher, je vais finir sur un texte qu'une amie m'a fait connaître récemment. Dans son livre 60 ans de souvenirs, où il croque le portrait de la France, des Français et de certains événements du 19e à travers la relation d'événements de ses souvenirs avec des personnages fameux, l'écrivain et homme de théâtre Ernest Le Goubet dresse un portrait très flatteur de Victor Schœlcher qui fut son ami très proche et intime, qu'il connaît donc de manière vraiment très intime, je dirais. Donc, dans le chapitre qu'il consacre à Victor Schœlcher, l'une des seules personnes
vivante à qui il est consacré un extrait dans son livre de souvenirs, il glisse toutefois l'opinion qu'un de leurs contemporains, un certain monsieur de Présenté, avait de son camarade Victor Schœlcher, et vous verrez comme moi que, de son temps déjà, le personnage de Victor Schœlcher était loin d'être cerné. Alors, je vous lis ce petit passage. Monsieur de Présenté a dit de Schœlcher, « C'est un athée qui fait croire en Dieu. Le mot est charmant et profond. Il peint d'un trait le grand côté et le côté faible de cet homme particulier. Pétri de contradictions, il est à la fois démocrate et aristocrate. Démocrate d'idées, aristocrate de manière. Passionné pour Robespierre et passionné contre la peine de mort. Ennemi de la République autoritaire et jacobin. Adversaire acharné du christianisme et honorant dans la croix un des plus purs symboles de cette terre. Regrettant de ne pas être né prince pour pouvoir renoncer à son titre. Sybarite de goût, cynobite d'habitude, dînant d'un plat de carottes mais dans de la vaisselle d'argent. Violent au-dedans jusqu'à la fureur, calme au-dehors jusqu'à l'impassibilité. On accuse souvent Schœlcher de viser à la singularité. Rien de plus injuste. Il est naturellement singulier. Il ne fait rien comme personne. De naissance. En veut-on la preuve? L'unité d'une vie en démontre la sincérité. La vérité seule est une. Tiens, je pourrais très bien reprendre celle-là à notre propre compte. La vérité seule est une. Qui ment se dément. Or, ce que Schœlcher est aujourd'hui, il l'a toujours été. Depuis 54 ans que je le connais, il n'a pas plus changé d'opinion que de costume. Depuis 54 ans, il a la même redingote noire boutonnée jusqu'en haut, le même collet rabattu sur le même col de satin noir, les mêmes manchettes, le même chapeau à large bord, la même canne surmontée d'une pomme niellée et le même parapluie surmonté d'une tête antique en bronze, comme il a les mêmes idées politiques, les mêmes idées de morale, les mêmes goûts d'art. Son appartement est son portrait. Tout ce qui sert à son usage est inventé par lui. Ses pelles, ses pincettes, ses boutons de porte, ses garnitures de cheminée, ses meubles sont faits sur modèle fournis par lui et exécutés pour lui. Il a imaginé de petits instruments pour manger les asperges sans les toucher et cueillir les feuilles d'artichaut sans se salir les doigts. Sur sa table de nuit se voit un pupitre en acier qui, grâce à un ingénieux déploiement de branches entrecroisées, lui apporte son livre dans son lit devant ses yeux, sans qu'il ait la peine de tourner la tête. Ce que voyant, un de ses plus chers amis, le marquis de Parny, car il a des marquis pour amis, ce farouche radical, lui dit « Victor, il manque quelque chose à votre pupitre. Vous devriez lui apprendre à aller chercher les volumes dans la bibliothèque. » Fin de citation. Donc, après ce passage, l'auteur évoque le fait qu'il a non légué, mais donné de son vivant tout le contenu de sa maison à des causes hein, qu'il a choisies. Ainsi, il a envoyé toute sa bibliothèque en Martinique pour y créer la célèbre bibliothèque qui porte son nom et qui pourrait continuer de porter son nom à cause de cette initiative qu'il a prise. Il faut savoir que ces livres sont arrivés, puis quelques années après, l'essentiel de ces livres a brûlé lors de l'incendie de la première bibliothèque qui avait été créée avec ce fonds. Donc voilà ce que je sais de Schœlcher, ce que je peux dire de lui. J'ai tenu à partager avec vous ma perception des choses. J'espère que ces quelques éléments vous seront utiles. Donc, je vous laisse le temps de me poser quelques questions, de me dire si ce petit exposé topo sur
les événements du 22 mai 2020 vous a apporté quelque chose. Si vous avez trouvé ça intéressant et si vous avez des questions, je suis maintenant à votre disposition pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, nous pouvons bavarder ensemble et je suis à l'écoute de vos questions. On est ici pour vivre bien, c'est mon slogan maintenant, en fait. Parce que, en fait, et je reviens à tous ces gens qui nous critiquent parce qu'on s'intéresse à notre histoire, quoi de plus naturel, mais enfin pour eux, ça les choque, ça les vexe, ça les blesse, ça les rend malades. Si nous faisons tout ça, c'est pour nous sentir mieux. Si nous faisons tout ça, c'est pour que nous comprenions ce qui nous est arrivé, pourquoi on est ce qu'on est. Et vraiment, je ne sais pas si on est à la recherche du bonheur, en fait, en découvrant notre histoire, en comprenant ce qui s'est passé, en déterminant avec précision les bobos, les problèmes que nous devons soigner. Nous sommes capables de nous soigner, de nous médicamenter et de guérir. Encore une fois, comment voulez-vous guérir d'un mal que vous ne connaissez pas? Comment voulez-vous oublier une histoire que vous ne connaissez pas? Vous comprenez? Donc, voilà, on est à la recherche de la paix. On voudrait regarder l'autre et se sentir en paix. Et pour se sentir en paix, il faut qu'on ait la justice. Il n'y a pas de justice en paix. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Pour que quelqu'un vous puisse pour que de quelqu'un émane la paix, pour qu'il puisse partager la paix, il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'on se sente respecté, il faut qu'on se sente compris, il faut qu'on dise ok, bon, on reconnaît qu'il faut qu'on soit reconnu. Et à partir de là, on peut tendre la main à l'autre. Vous comprenez? Donc, on est ici pour vivre bien, c'est ça l'objectif. Je ne crois pas que lorsqu'on décide de s'incarner sur cette terre, on se dise « Oh, je vais descendre pour être mal. » Je pense qu'on a choisi ce beau pays, ce pays extraordinaire, pour pouvoir être vraiment heureux le plus possible. Mais comment être heureux quand on nous interdit même d'essayer de comprendre ce que nous sommes? Vous n'avez pas le droit, vous faites du racisme anti-blanc. Oh mon Dieu, enfin. Voilà, il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Alors, j'ai vu des questions auxquelles je ne saurais pas répondre en si peu de temps. Bon, la question du créole, j'ai une vidéo là-dessus. Je pense que si vous cherchez sur Internet, je dis tout ce que je pense là-dessus. Concernant Guédon, encore une fois, j'ai une vidéo dans ma page Facebook sur laquelle j'étale en long, en large et en travers tous ses travers, justement, sa méchanceté, sa mauvaiseté. C'était une ordure, monsieur Guédon. Il faut le savoir, il faut débaptiser les rues. Il faut débaptiser les rues, Guédon. Débaptiser la fontaine Guédon. Tout ça, ça a été construit par vos ancêtres qu'on a mis dans les camps de concentration parce qu'ils n'avaient pas payé leurs impôts. Hein. Ce n'est pas M. Guédon qui a construit la fontaine Guédon. Hein. Ce sont les vôtres, les nôtres, nos parents qui ont été arrêtés pour vagabondage. D'accord? Et pour rembourser l'amende à laquelle ils étaient payés, ils faisaient gratuitement les grands travaux de l'État. C'est pour ça que l'État est le complice principal de ce crime contre l'humanité qui a été cette abolition de l'esclavage et les différents décrets qui ont été pris par la suite pour resserrer la chaîne dans le cou de ceux qui étaient déjà étranglés. Thank you.
Alors, je suis désolée si je heurte ou si je blesse la sensibilité des uns et des autres en disant cela, mais je crois que pour vivre bien dans notre pays, nous avons besoin d'un environnement assaini, débarrassé de ces sortes d'égrégores qui sont là et qui sans arrêt nous rappellent un passé qu'on nous demande en même temps d'oublier. C'est encore une des contradictions. On vous dit oubliez le passé, allez de l'avant, mais où que vous vous tourniez dans la ville capitale, vous vous trouvez en présence d'une statue, d'un monument, d'un bâtiment qui est le symbole même de ce qu'on vous demande d'oublier. Comment vous pouvez oublier? Je ne peux pas oublier une partie et puis que vous m'imposiez la partie qui vous arrange. Soyons cohérents. J'ai vu tout à l'heure passer quelqu'un qui disait qu'il est contre la destruction des statues. Moi, je lui dirais que partout dans le monde, on détruit des statues quand les valeurs changent. Est-ce que quelque part, il y aurait une statue de Pétain? Est-ce que quelque part, il y aurait une statue d'Hitler? Et pourtant, il fut un temps où il a fait la grandeur et l'histoire de son pays, l'Allemagne. Est-ce que vous allez trouver des statues de personnes qui ont fait du mal aux peuples occidentaux? Non. Les peuples occidentaux savent très bien se débarrasser et déboulonner les statues de leurs bourreaux. Il faut qu'ils sachent aussi que nous, on a envie de déboulonner les nôtres. Vous comprenez? Il faut assainir l'espace public. Il faut qu'on se retrouve à n'avoir autour de nous que des gens qui peuvent servir de modèle à la jeunesse, de modèle aux générations futures, de gens qu'ils pourraient regarder en disant, voilà, je veux être comme cet homme-là, je veux être courageux comme cet homme-là, je veux être fort comme cet homme-là, je veux ressembler à cet homme-là, je vais suivre les prescriptions de cet homme-là. Et il y a tellement d'hommes de valeur de notre pays. Je vais prendre un seul exemple. Des hommes que l'on oublie, que l'on met en bas-feuille. René Ménil, cet extraordinaire philosophe martiniquais qui était peut-être l'un des seuls à inspirer du respect à Aimé Césaire. René Ménil ne mériterait-il pas d'avoir une rue à son nom au centre-ville? La place sur laquelle se trouve la statue de Victor Schœlcher. Cette place a été baptisée place Légitime Défense. Légitime Défense a été créée par René Ménil. René Ménil est le père fondateur de Légitime Défense avec d'autres. Donc voilà une création martiniquaise qui sert de support à la valorisation d'un héros. Un héros contestable de notre histoire. Donc, on vit dans cette, oui, nous aussi, bipolarité. Il faut qu'on tranche à un moment. Et ce que nos enfants ont fait là, nous oblige à poser la question, nous oblige à débattre. Ils nous ont obligés à prendre position. Ils nous ont obligés à reconnaître que nous avions un problème avec notre histoire. Parce que tout le monde l'a reconnu depuis. Ah, tout le monde a commencé à condamner. Et puis après, tout le monde a dit, ouais, mais il faut les écouter. Ouais, mais ces jeunes-là, ils disent quelque chose. Il faut qu'on sache les entendre. Bon, maintenant, il faut non seulement les écouter, les entendre, mais il faut aussi comprendre qu'ils ont besoin d'avoir un environnement sain, propre. Pour pouvoir avoir envie de s'élancer dans la vie, dans la paix, la justice. Et moi, j'ajoute l'amour, la solidarité et la liberté. Merci infiniment de cette heure que vous m'avez offerte. Je vais vous retrouver dans un autre qui m'a foutu et ça. Cette fois-ci, on va parler du nègre contre nègre. Et je vais vous montrer comment, dans les décrets qui sont là, dans ce livre-là, puisque les décrets, on ne les trouve nulle part. Alors, tout le monde me dit, ouais, mais où est-ce que je vais les trouver? Où est-ce que je vais les trouver? Je les ai publiés pour vous. J'ai publié pour vous, à la fin de Sacré Vacabon, qui raconte justement dans quelle situation nos ancêtres se sont retrouvés à ce moment-là, un chapitre qui s'appelle « Les décrets et lois liberticides de l'abolition ». Et là-dedans, il y a non seulement tous les décrets et les arrêtés
du 27 avril, mais il y a également les lois sur le régime des livrets, hein, les lois relatives au passeport à l'intérieur, l'arrêté portant conversion des amendes, frais et dépenses en journée de travail, les lois de janvier-avril 49 relatives à l'indemnité à accorder aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves. Tout ça, je vous l'ai mis là, dans Sacré Vacabon, qui est la suite de Zahir et Théophile que vous connaissez, ce livre que vous avez tellement apprécié, que vous avez plébiscité, et où vraiment Zahir et Théophile reviennent presque 180 ans après leur histoire, reviennent d'entre les morts pour nous ramener notre vraie histoire. Ce livre qui révèle le plan qui a été ourdi depuis 1838, c'est-à-dire 10 ans avant l'abolition, pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ces 77 000 nègres martiniquais qu'on allait être obligé de libérer éventuellement un jour. Donc toutes les précautions ont été prises dès 1838 et c'est ça que révèle Zahir et Théophile. Pas de pitié pour les nègres parce que les plans ont été faits sans pitié. D'ailleurs, ils seront exécutés à la perfection en 1848, qui fait que 100 ans après, eh bien, Mantine vit toujours dans sa rue Casnègre. Voilà. Et son petit-fils ne peut toujours pas aller à l'école. 100 ans après. Alors que le 27 avril 1848, il était prévu que l'école soit obligatoire pour les petits négrillons qui auraient jusqu'à 10 ans. Bien, mes amis, je vous laisse. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Et restez à l'écoute pour un prochain rendez-vous. Et je serai toujours très contente de partager mes trouvailles avec vous. Je vous remercie de votre intérêt et de votre attention. Et je vous dis à la prochaine fois pour un autre qui m'a foutu ça.